à l'heure pour le. Combien de pieds ça y est, c'est la photo. C'est une insération. Bon, ça a apporté plein de choses, c'est vrai? Ah ouais, ça c'est fini. Alors on a quoi se marrer. Bonjour madame, bonjour monsieur. Ici votre voyage qui débute avec la pomme de terre graissée, donc en hommage à la Bretagne. Ici vous retrouvez le yaourt de tomate, pollen de fleurs. Et ici donc la tartelette légumière, haricots et algues. La pomme de terre soufflée, jus d'huître, pomme, le galet de mer à s'enlever avec les doigts. Et donc surtout en une seule bouchée. C'est très bon ça. Bon appétit. Et la petite citron, normale là. Ouais, elle a pas de citron normale en tout cas. Passe. C'est parti, on y va, finition. Okay. Et celle qui coule là hein. Oui. Ça enchaîne. Let's go. Oui. On lance deux autres. Oui. Crevettes crues, poivre citronnette. Alors, ici, donc, vous êtes sur toujours une petite mise en bouche avec les crevettes au beurre de micelle. Merci beaucoup. La balade en tête finistérienne, côté légumier marin, vin crémeux de chou-fleur, glace parmesan et jus à l'encre de sèche tiédi. Appréciez les saveurs en même temps les cassons de haut en bas et en simultané la feuille de mer. Dans l'esprit du partage, la corbeille de pain réalisée à l'auberge, les deux feuilletés, au sarrasin et aux algues, le pain au lait à la tomate, les plis à la pomme de terre, encre de sèche, crevette grise, nature, et vous aurez le lard et fromage, le beurre de baratte de la ferme de Kéo, agréé de lait, et le beurre blé noir réalisé maison. C'est pour avoir la langue aussi. Ouais. Tu leur revois. Merci pour le partage. D'ailleurs, prépare un trois royal. On récupère l'assiette là. On prend la cuisson là, on prend la cuisson sur la tranche. Pas de soucis. C'est bon, vite. C'est vite là. Finition, c'est bon, oseille. Légèrement. Ça. Tu as peur de machin, je vais demander. Betterave. Non, c'est bon comme ça, on y va la finition. Allez, partez comme ça, là, vite. Donc, on est sur la langue poussine du Guilvinec, associée à son crémeux de boudin noir. Et les pousses d'épinards au gingembre. Et juste ici, vous retrouvez la gavotte à apprécier en même temps pour le côté croustillant. Merci. Alors, donc vous êtes sur une déclinaison autour de l'oignon. Vous l'avez en pétales confites au gros sel, purée très légère et en émulsion sur le dessus. Merci. Alors, donc ici vous découvrez le homard brioche. Vous débutez par la pince avec le condiment pomme pamplemousse. Vous naviguez vers le corps du homard
avec le voile de tête de cochon pour le côté tripier marin. Et vous terminez juste ici par le beignet avec la pâte de citron pour la pêche. Merci beaucoup. Alors, c'est sans bon d'accord. Merci. Donc ici, vous êtes sur l'œuf sarrasin. Dans l'esprit, cette petite crêpe de sarrasin. Et on vous a versé donc ici à l'Héribou. Merci. Oui. C'est joli. Oui. La barbue, le potager, légumier. Et là, on vous laissera naviguer dans l'assiette comme vous le souhaitez. D'accord. C'est si vous souhaitez vous faire plaisir avec un peu de supplément au niveau de la sauce, vous avez l'eau de tomate montée au beurre juste ici. Bonne dégustation. En Bretagne, vous retrouvez le timanois à l'alcool de noix. C'est dans une petite abbaye dans le Morbihan. Le darlay dans les côtes d'Armor. Tome de vache de Banavec. Le rond cendré. Ici en brebis, vous retrouvez le saveur du maquis. En Corse et en Sardaigne. Puis dans le lait des vaches, vous avez le côté 24 mois. Très joli maroilles, crémeux de Bourgogne, Saint-Nectaire et ici en Belgique avec le herbe qui est frotté à la bière. On vous propose donc trois pains supplémentaires pour accompagner le fromage. Vous avez celui-ci au blé noir et aux fruits secs. Celui-ci est au cacao, il ira très bien avec les bleus. Et c'est la focaccia raisin sec, romarin et thym qui ira très bien avec les chèvres et les brebis. Tu me surprends, j'étais en train de lire un mail. Les graines pour rendre un petit peu croquant et hop, une dentelle, tac. Voilà. Ça tu veux goûter? Pardon. Ah ouais, tu veux, on te remet la même chose ou tu veux le gros lait? Gros lait, c'est parfait. Voilà. Je suis même pas. C'est bon. Pas trop. Stop, non. Allez, roule. Vas-y. Pourquoi il n'a pas pareil que moi, lui? Parce que vous êtes sur la déclinaison de blé noir. Biscuit vapeur, crème glacée, sabayon, crêpe crase. Cassez la structure de haut en bas et apprécier les saveurs ensemble. Le gros lait à la fleur de blé noir. Elle est appréciée une première fois et une seconde fois naturelle si le goût est trop puissant. Le miel de bière, mais vraiment parcimonie car ça miel sur la puissance. Et pour terminer, la gourmandise avec la gomme de blé noir. Ouais, attends, je finis juste ça, j'arrive. Oui. Ça marche, je vais le scotcher. Thank you.
L'infusion. Parfait. Voilà. C'est bon. Il va joli. Le travail de la fraise et la verveine avec cette sphère qui faudra casser avec le dos de la cuillère, mousse verveine et compote de fraises à l'intérieur. Venez un simultané plonger dans le sorbet fraise et terminer avec la gourmandise de la crème fermée et du jus frappé de fruits rouges. Bonne fin de repas. Merci. Voilà. Alors le chef et toute l'équipe se joignent à vous pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire de mariage.